Salut YouTube. On continue notre run All Bosses No Death Randomizer. Ça va être compliqué là de se remettre dedans. Hein. Quoique je suis entraîné finalement. Moi je passe en l'heure et j'ai repris Horizon Forbidden West. Apparemment il sort sur PC, nous a dit Voxol. Il sort bientôt sur PC. Attendez, il faut que je change le titre du stream du coup. Alors attendez, hop, j'ai un fichier, c'est ça qui est cool, avec tous mes titres. Document du coup. Hop, bureau, nouveau document. C'est ça. Voilà, c'est ça. Hop, 165 boss. Tac. Voilà. Et après. Et bien, en fait, c'est pareil. Voilà. Hop. Ok. Et du coup, on est à combien? On est à 100, en fait. Et ouais, on est à 100 sur 165. Incroyable. Non, j'ai pas du tout PB, j'ai pas trouvé de pierre, en fait. L'enfer. Hein. L'enfer, l'enfer. Non, je surpassais sur ma partie All Bosses, No Death, Randomizer, là. Elle y a, du coup, j'ai fait 25, je suis dégoûté. Mais c'est comme ça. D'ailleurs, il faut que je remette le bon compteur. Putain, c'est chiant le setup à chaque fois. Donc attendez, je remets le bon compteur. Donc il y a ça. Il y a ça que j'enlève. Il y a ça que je remets. Ensuite, il y a ça. Où je fais le filtre. J'enlève. Ok. Et je remets ce texte-là. Et là, normalement, c'est bon. Est-ce qu'il y a écrit 100, là? Est-ce qu'il y a écrit 100 à boss? Pour mettre sur la cam. C'est bon, là, non? Tout est bon, là. Bon, du coup, on va faire la capitale aujourd'hui. Let's go. Yes, ok. Bon, nickel. Bon, on va faire la capitale, je pense, aujourd'hui. Alors. Objectif, c'est faire... J'aimerais bien faire 4 boss pour arriver à mon précédent PB, vous voyez. Après, je cut. Attendez, je regarde si j'ai des crabes. Oui. Je me remets dans ma run rapidement. Mon équipement, ma perle, ça, c'est bon. Ça... Il va falloir que je monte l'endu fort 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 bientôt pour porter des meilleures armures. Salut à toi Feu Aaron. Bon, le dernier boss qu'on avait fait, je me souviens, c'était celui-là. C'était du coup Godfrey. Il était là. Là, il nous reste Mog. Ici. Et après, je sais pas trop. Hein. Je me souviens pas trop. Hein, de ce qu'on avait fait. Il y a des grottes aussi là-bas, mais je crois que c'est pas mon scaling là. Donc on va faire la capitale, allez. On fait gaffe à la capitale, surtout. Let's go. Allez, on meurt pas là. Salut à toi, Feu Aaron. Bienvenue, du coup. Et Matsurano aussi, bonjour, bonjour. Je suis vraiment bien dans ce run, pour le coup. Salut, Dim Jules. Comment ça va? Commence à taper déjà. Putain. Oh putain. Mais non, mais c'est le crabe de Malmort. Il est là. Putain, il m'a repéré. Non, mais en fait, moi, si c'est pour faire ça... Non, c'est pas de la malmort. Si, si, c'est de la malmort. Mais non. Mais non. C'est un Galdra! C'est le seul crabe de malmort du jeu. Et il est là. J'ai failli mourir de malmort.
Bon, finalement, ça se passe bien, hein, je trouve. Ça se passe plutôt très très bien, je trouve, ce début. Chez ! Le crabe, chez ! C'est le seul du jeu ! C'est le seul du jeu qui fait de la balle mort, vous dis-je ! Vous dis-je ! My utmost thanks for bringing here and that. Qu'est-ce qu'elle a, elle, encore ? I shall leave. I wish you, you have, I have no... Bon, la capitale, ça pue quand même. Hein. J'ai failli mourir en 10 minutes là. En 5 minutes. En 5 minutes. C'est la capitale. Faut pas d'antipoison pour moi en fait. Hein. Je suis allé comme un bœuf. Ok. Full life. On fait ça comme un boss. Comme si c'était un boss. Ok. On va même faire ça, t'as. Nickel. Je pense que c'est, j'y vais, je m'en vais. Pourquoi il faut toujours qu'il y ait des spectres? Bon, moi, je vais à la capitale. Hein? Je veux des réponses, le chat. Je veux des réponses. Je peux jamais être tranquille, c'est abusé. Abusé. Allez-y. Faudra que j'aille prendre le feu des égouts aussi. Oh non! Putain, mais il y a une boule électrique là! On fait voir un peu les mobs. Salut Clad. Ok, un Tentacuyamax, Testicuyax, Gigacuyax. Ici là-bas, une main, d'accord. Et tout droit là-bas. Un mec normal, ok. Paranormal, j'entends aise. Bonjour Ribou, ça fait longtemps que je suis pas passé. Ça se passe comment? Très mal. Salut Frex. Non, ça se passe bien. En vrai, ça va. Ça se passe bien. Attendez, est-ce qu'elle peut m'avoir? Ok. Au cours. Pas mal. Ouais, cool, la méduse. La reine est sauvée. Et toi, Frex, comment tu vas? Putain. Ça va bien, bon. Mais c'est essentiel. C'est essentiel, Frex. Quels sont les livres sur le lore d'Elden? Je sais pas si ce sont les tomes du savoir.
Dans le guide, je crois que tu as un peu de l'or. Dans les guides. Legendary! Wow! Alors ça, par contre, moi qui cherchais une AOE, eh ben je l'ai. J'ai trouvé. À la place du tape-cul, c'est peut-être pas mal, ça. Ok, on est à la capitale, les gars. C'est The Book of Knowledge, oui. C'est The Book of Knowledge. Salut Cosette, comment ça va? Bienvenue, bienvenue. Bon, je vais d'abord voir ce qu'il y a à la racine. Lui, il va me dropper un objet, là. La voix de l'éclipse, c'est un arc runique, ok. Je vais faire ça. Ok. On va juste voir ce qu'il y a à la racine. Je m'en fous de mes runes, j'ai 13 000, je m'en bats les steaks. Ok, on a une main, une fourmi. Superbe. Deux fourmis même. Cet ennemi là. Et là on met plus la cam. Ok, on a un archer. Putain, il y a du monde. Salut Lino. Comment ça va Lino? Je vais y aller avec ça. D'accord. Comme ça je vais pas culpabiliser de... utiliser ma magie et je serai full magie pour le boss. Ok, pour l'instant ça va à peu près là. Là c'est le moment touchy du truc. Parce qu'il y a v'là le monde en fait. Ça se passe mal, hein? Putain! Je monte en courant, non? Je monte en courant, non? Vous en pensez quoi? D'acheter les deux sur Amazon US. Ils sont en anglais par contre. Hein. J'ai aussi pris les artbooks volume 1 et 2. Moi ça aussi j'ai. C'est Manabooks qui me les a offerts. Ils sont trop beaux les artbooks. Mais pour le lore c'est compliqué. Hein. Cours. Ah ça va. Ah ouf, ça va. Oh putain, ça va. Oh là là. Ah vas-y, on y va.
Allez, 101. Il lui restait un PV, on est d'accord. Oh, cri de guerre. 80 000. What? Le petit 50 en vigueur, il ferait plaisir là. Toujours pas. Oh, il est mieux lui. Ok. C'est quoi ta question, Lord? Je l'ai même pas vue. Désolé. Tu peux la reposer, s'il te plaît? 101, putain! Oui, en plus 8. Oui, plus 8, oui, pour ma run. Ouais, 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 ouais. Plus 8 pour ma run de tout à l'heure, ouais. De la merde. De la bonne merde. Comme on l'aime. Salut, Tamalou. Comment ça va, Tamalou? Force pour la run. 25, ouais, j'ai fait. Bah, en forme aussi, mais bon, on est en All Bosses No Death Randomizer, je te cache pas que là, je me chie dessus. Ouais, j'avoue, je pourrais faire peut-être 25 avec un build de merde, mais là, pour le coup, je suis déçu, putain. Si j'avais juste eu une pierre 3, là, j'aurais fait bien mieux. Bien, bien mieux, même. Il y a que Malikette à Farum. Non, il y a Placidus Axe, il y a Malikette, il y a le duo Sanctecher. Qui c'est qu'il y a d'autres encore? Ça donne une idée, ouais. Salut Farmington. 101 Farmington, 101. On est à 3 du l'ancien PB. Du l'ancien PB. Salut, putain. T'as loupé Placy. Il y a un chemin chiant à faire pour le trouver Placy. Salut, putain. Je regarde juste, hein. Et... Coucou Clint Eastwood, bienvenue. Comment ça va, Clint Eastwood? On va voir ce que c'est avant, hein. Ouais, j'ai fait un train cack-up avant. 25 avec une arme plus 8. Sans mourir. Run valide. Oh putain. Oh putain de merde. Putain. Oh putain. Putain, la run, elle est finie, là. Oh putain. Salut, Monkey. Putain. Qu'est-ce qu'on a comme boss? Mog. Je vais être obligé d'aller là. Je vais être obligé d'aller par là. Ouais, il me faut du sacré, ouais. C'est pour ça que j'avais monté une flamberge sacrée, là. J'avais foutu du sacré dessus, mais je sais pas si ma flamberge, j'ai assez de... Attendez. Cendre de guerre. J'avais une flamberge. Elle est là. En sacré.
Qu'est-ce que j'ai sinon sacré? J'ai ça. Ordre partagé. Sacré. On fait voir. C'est pas ça. C'est cette arme-là. Pardon. Et là, du coup, ça fait quoi, ça? Ça sert à quoi, ça? Ordre partagé, compétence. Des chevaliers fondamentalistes de l'ordre d'or. Vous consacrez votre arme et celle de vos alliés proches pour les imprégner d'un pouvoir sacré. Très efficace contre les non-morts. Ça dure longtemps, ça, ou pas? 825 de dégâts. On peut pas voir combien on fait de dégâts sacrés, là. Merde. Vous savez combien ça fait de dégâts sacrés, ça? Ça a l'air pas mal, non, comme histoire, cette histoire-là. Je sais pas si ça fait des gros dégâts sacrés. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça accumule du saignement. Ça fait sacrément du dégât. Et mon arme est en plus 10, là. Je suis à 825 de dégâts. C'est énorme, non? Non, mais plus 10. Attends, mais c'est normal, ça? Attendez, je vais l'améliorer en plus 25. Je vais ouvrir un peu, il fait trop chaud. Voilà. Fenêtre ouverte. Ça a l'air de faire du sacré dégât. Attends, et genre, quand je fais pas le truc de l'ordre sacré, ça fait 750 de dégâts, d'accord. Et en plus 10, si je fais 750 de dégâts, ça me paraît fou. Ah, attends. Ok, elle est en plus 15, d'accord. Et j'ai rien à lui vendre à lui, là. Ben, il me faut des runes, fait chier. Qu'est-ce que je peux lui vendre à Jean-Mich? Il n'y a pas les doigts aussi? Ah mais je les ai vendus, mince. Talisman. On ne sait jamais si je me retrouve en lourd. J'aime pas vendre armure, armes et compagnie. Attends, je peux peut-être faire prendre un autre level. Ok. Eh ben écoutez, on va aller farmer. Hein. Là. Vous pensez que je le fais ou pas? Vous pensez que je claque? Le problème, c'est que si j'y vais, je peux pas me TP. Hein. Et s'il fait son étoile de merde, je suis mort, quoi. Il fait combien de dégâts, ça? 750. Et si je fais ça? 825. Apparemment, ça fait des dégâts sacrés. Pourquoi tu peux pas TP? Alors je peux TP, mais c'est juste que le poulet il est tellement énervé que la fenêtre pour se TP elle est vraiment pas énorme. Elle est vraiment vraiment pas énorme. Donc ça me fait peur. Genre vraiment. Je sais pas pourquoi ça monte aussi vite, mais tant mieux. Tu la max, ça peut passer. Après, je peux faire ça. Je sais pas si c'est mieux le truc de l'ordre d'or, là. Peut-être qu'il faut que je mette ça aussi dans ma fiole. Genre... ça monte vite, là. Peut-être qu'à la place des dégâts... ou résistance de dégâts. Résistance aux dégâts. Parce que j'ai ça aussi. Augmente les chances de briser la posture des ennemis en attaquant. Hein. Je pense que si j'y vais avec ça, c'est peut-être pas mal. Hein.
parce que genre je lui fais du cac avec du sacré, pam, pam, et pam. À mon avis là il est stun en 3 coups, et après go la tête quoi. Plusieurs centaines de tries, que c'est satisfaisant. Putain, GG Frex, GG, t'as eu Malenia, putain, c'était ta première fois ? Incroyable, GG à toi. Vrai que le stun arrive vers le midlife, voire pendant son ulti pour le cancel. Ouais, t'as raison. Peut-être que je prends la fiole pas au début. Je sais pas. T'as pas tort. Le stun dès le départ, c'est con. Mais le problème, c'est que dans ma fiole, j'ai ça, quoi. J'ai la petite bulle qui me rend de la vie, tu vois. Si jamais je me retrouve dans la merde. Sinon, je mets pas la truc de stun. Un truc de stun, ça me fait peur. Putain, mais... Ça se trouve, il a une barre de vie de l'extrême. Oui, 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 j'enlèverai l'espace, donc vous inquiétez pas. Follow wage. Tu suis la chaîne depuis 112 jours. Ouais, il me semblait que c'était plus. Ah, Sparkle, il est toujours là. Merde. Déjà, on le fout en plus 25, y a pas à chier, là. Et j'ai pas de peau de sacre. Parce que je crois que ça lui fait mal aussi. Non, j'en ai pas, putain. J'ai tout sauf des peaux de sacre, quoi. ...750 de dégâts. Non mais je regarde pas le bon... débile depuis tout à l'heure en fait, 609 de dégâts. Attends mais ça m'augmente aussi mes dégâts magiques. Non, ça m'augmente aussi mes dégâts de magie. Vous avez vu? Ça m'augmente les dégâts de l'espadon. Regardez, il y a écrit 825, 609 là. Alors, je peux pas rajouter de graisse si je la mets en affliction sacre, Farmington, malheureusement. Alors, on va attendre que le buff se casse. Peut-être que si j'enlève l'arme, le buff va s'enlever. Non, il s'enlève pas en plus. Il ne s'enlève pas. On est là, le buff est parti, ok? Non, le buff est pas parti. Bon app, Frex. GG à toi. Go la capitale, Canout. GG. Donc là, attendez. Statue. Regardez, 750 l'espadon et 554 la flamberge. Et si je fais ça... 825 l'espadon. Mais attends, mais ça fait un buff de magie aussi, ça. Pouvoir sacré. Très efficace contre les non-morts. Mais attends, mais du coup, ça m'augmente mes dégâts avec l'espadon. Mais c'est abusé. On a trouvé un truc parfait, là. Il me faut encore quelques runes. Des os. Hein. Normalement, si je m'assois pas, il y a 500 et quelques qui pop. Voilà. Bah, dis donc, je suis refait d'avoir trouvé ça. Mais je sais pas si c'est une bonne idée d'y aller là. Le chat, votez. Pendant ce temps, on va voter pour savoir si j'y vais ou pas. Voilà, nouveau sondage. J'y vais ou pas. C'est-à-dire que si j'y vais pas, je vais au Mont Jelmir. Là, voilà, vous avez 3 minutes pour voter. C'est parti.
pour le boss, le poulet de givre, Lord Spanky. Est-ce qu'à votre avis, j'y vais ou pas? Ou est-ce que je vais faire d'autres endroits, quoi, avant? Il est quand même à la place de Morgoth, hein. C'est un run killer, ce truc, hein. Quand même un sacré run killer, hein. Tu peux augmenter ta défense au gel. Je pense que ouais, je peux acheter des boulettes anti-givre. Moi, je te conseille pas, mais il y a un monde où tu le aises. Ouais, avec ça, ouais. Mais c'est vrai que c'est double tranchant, là, cette histoire. Hein. Bonne RNG, c'est good. Mauvaise RNG, je suis décédé. Ah merde, il manque une pierre 8. Oh. Je peux en acheter peut-être quelque part, je sais pas. De toute façon, j'y vais pas si l'arme elle est pas maxée, c'est clair et net. Pour l'instant, on est à 60% de non quand même. Je suis assez de votre avis. Hein. C'est sûr que si je pouvais le faire à l'arc en dehors de l'arène, moi je suis chaud. Hein. Un pierre 8, je vois que j'en ai acheté, au secours. Je peux pas avoir de pierre 8, non? Là, vous avez vu? L'anti-congèle. J'en ai 5 déjà. D'un pierre 7. Pierre 8. J'ai fait ça pour l'arc. Je les ai utilisés pour l'arc. Putain, je me débecte. Eh. Cool. 1, 2, 3, 4. Et j'ai offert d'autres perles. Je peux acheter des crevettes pour 3000. L'abus. Non mais en vrai, dans le doute, j'y vais pas. Salut Arthur. Comment ça va Arthur? Bienvenue. Ouais bon, le nom a gagné quoi du coup. Le nom a gagné, donc j'y vais pas pour l'instant. Et là, je peux la maxer en plus 25 avec 3100. Je vais quand même la maxer pour le coup. Hop. Ouais, le mode safe l'emporte. Je pense que je vais aller faire des grottes vers le Mont Gélimir. Le Mont Gélimir, c'est scalé comment dans cette histoire d'ailleurs. De toute façon, le Mont Gélimir, là, j'ai les levels pour y aller concrètement. Je suis level 93. Il me faut 3000. Ça va être cool hein, à utiliser en vrai cette arme là. Combien elle fait de dégâts là? 597 à une main. 602 à deux mains. Elle fait saignement plus sacré là. En plus je peux même la foutre après avec de la congélation. Du feu. Elle est vraiment cool cette arme en vrai. La flamberge j'aime beaucoup. Si je suis en fatrol parce que j'ai les deux armes, mais je vais en virer une des deux là. En plus elle fait du saignement quoi cette arme, c'est quand même abusé hein. Quand même fou comme arme. Allez, elle est maxée. Voilà. Ok bon mais j'y vais pas pour l'instant. Hein. On va aller faire les trucs qui sont par là, là. Ces trucs, là. Comment j'y vais déjà? Par là, là. Let's go. Je vais fermer la fenêtre.
Je pense que c'est une sage décision. Je pense qu'on ira l'éclater, mais j'aurais bien level up. Ok. Jelmir, c'est 80 100, donc en vrai, c'est good. Ok. Du coup... À midi. On peut pas y aller par là, ici, là, non? Côté vierge, je crois pas. Donc là, il y a des doubles chevaliers du creuset. On va les laisser tout à fait tranquilles. Putain, mais il me target, mais de tellement loin, les deux, là. J'aimerais bien un nocher. À la place du dragon magma, vous voyez. Ah, j'ai pas regardé pour acheter, pour fabriquer des pots de foie. Pierre 3, d'accord. Qu'est-ce qu'on a à faire sur le chemin, là? Il y a ça à faire. Hein. La caverne aux eaux ignées, on peut la faire. On va regarder. C'est du poison, non, la caverne aux eaux ignées? Putain, mais j'ai pas d'antipoison, ça c'est relou. Hein. Pierre 7. Je sais pas, faire ça sans antipoison, c'est peut-être idiot. Hein. J'en ai pas, quoi. Alors j'ai plein d'antiputrés. Ah, mais j'ai l'anti-altération avec ça. Avec ça. Donc ça peut me sauver la vie. On va essayer de récupérer les objets, là. Le scaling. C'est quoi, là, sur Speedon, comme jeu? Il y en a qui savent. Poison pour m'accueillir. Au top. Ça me fait tellement chier que ce soit un pigeon de givre. Hein. Si vous saviez. J'ai jamais eu de boss entre guillemets difficile à cet endroit-là. C'est la première fois. Au cas où, j'ai ça, du coup. Rogue Legacy 2, ok, merci. Merci, Antoine. Au cas où, j'ai ça. Alors, ça me vide une barre de mana, mais j'en ai rien à foutre. Ça soigne le poison, ça. J'y vais pas là-bas, je m'en fous. Je vais tracer. Mes couilles en kit, j'ai fait un entraînement Carsic Cup de 2h30, 3h. Ils sont où les modos? Ils sont là, les modos, ils sont là.
Ça pue du cul quand même un peu ça. Est-ce que ça puerait pas fort du cul? Cet endroit de merde. En fait, mon but, c'est d'aller activer la rune de Morgoth. Pour avoir une barre de vie de l'espace intergalactico-spatial. C'était là, non? Pas du tout. C'est là. Ok. Bon, ça va, j'ai pas de poison, je suis bientôt full life, mais par contre j'ai envie de faire pipi. Ça, ça pue. Ça pue fort. Ok. Même pas besoin de vider la barre de mana, t'as vu ça un peu? Ça c'est la protection ça. Oh là! J'ai failli glisser, hein. Allez, hop. Là, on fait pas le con. Voilà. Petite gargouille assise, non? Là, c'est bon, ça passe ici. Attendez, là, il y a deux chemins. Ok. Lui, c'est quoi? C'est un rhododendron? Ouais, c'est ça. Doigt déchu... Doigt crochu de dueliste, ok. Ok, là c'est le boss. Tac, du coup... Est-ce que je tente avec le bœuf de la flamberge? En vrai, ça a l'air énervé ce bœuf là. Le problème c'est que... Ouais, le bœuf proc... Attendez, je vais essayer. Salut Firelayla, comment ça va? Bonjour à toi, bienvenue. Ouais, je vais essayer, ouais. Je vais essayer, par contre je vais être full life, donc hop. On attend que ça monte. Layla. Ça va bien Fire, Layla. Je suis sur ma run all boss 6 là. J'ai fait un entraînement Karsikov ce matin compliqué. Arme plus 8 et 25 boss. Sans mourir. Run valide du coup. T'es sur Elden là, Florerton? Incroyable. Ça monte pas vite. Hein. On arrêtera de l'utiliser ce truc après. Mais c'est pour éviter les potions en fait. Voilà. 43. Hop. Donc. Équipement. Hop, on met ça. Donc là, j'ai un boost de dégâts. Et dans l'ordre coup, il faut faire quoi? Ouais, j'ai passé les 100. Dans l'ordre, je bois ça. Je prends mon crabe. Je prends la flamberge. Je me buff. Je l'enlève. Je prends mon arme magique. Et je me buff. Ah hein. Oh putain, c'est un duo. Ok. Tellement de te backstab, toi. Ouais, c'est bon.
Bah du coup, je fais des gros dégâts. Statue inversée de Caria, jamais j'y vais. Jamais. Genre jamais, jamais quoi. Ok. C'est la mort. On va revenir au début avec ceci. Sauf si Khaled y allait, ouais. Toi, t'as vu la run de Romain, Jacques. Toi, t'as vu la run de Romain. Du repos. T'en deux. Allez, zou. Salut Maori. T'as de l'antipoison. Fois deux. Quel cac à la merde. Ça me dégoûte. Toujours après, ouais. Merdouille pas, t'es bien là, je sais, je sais. C'est pour ça que je vais pas aller au boss du mont... enfin là, de là. Je vais pas aller le voir, lui. Ah, mais c'est par là ou pas? Pourquoi je vais là, en fait? C'est ma question, pourquoi je vais là? C'est pas là que je voulais aller. C'est au manoir du volcan que je voulais aller. On va voir les boss un peu. Il y a pas mal de boss aériens qu'on peut faire ici. Ce château, on n'ira jamais. Là, il y a une fleur de magie. Qu'est-ce qu'on a? Là, c'est le dragon de glace. Putain. C'est le dragon de glace. Je mets ça. Donc ça, on ira du coup avec la flamberge. C'est celui de glace, hein, on est d'accord. Ouais. Lui, clairement, il me OS. Du violet. Ok. Tu me tires. L'armure de Néphélie. Une dorée, incroyable. Ah oh, putain. Du repos. Beaucoup de repos. Ah, les piafs, ils sont vraiment partout. C'est infernal, ces piafs. Je crois que il faut qu'on fasse une tier liste des pires trash mobs du jeu. Dedans, il y a les ours runiques. Dedans, il y a les piafs. Il y a les piafs de glace. Il y a qui d'autre? Les mains. Les mains, ouais. Toutes les mains, à part les petites. Les rats, les gros chiens, ouais. Les chiens de putré. Les pigeons dans Paname, bien sûr. Ok, donc là, il va y avoir un boss. Deux boss, il va y avoir. On va aller voir ce que c'est. Là, c'est quand même plus cool que ma run 155, puisque moi, j'avais lancé Axe, là. Plus je sais plus quoi. Ah, j'en faisais des tier list avant. Maintenant, j'ai arrêté. C'est les hommes aux bêtes, ok. Les hommes bêtes, je sais pas quoi. Je pense qu'il y a moyen de les aise. Spectre royaux, c'est vrai. Spectre royaux. Lui donne un truc, non? Non, il parle pas.
Tant que t'as pas fait la quête de Céline, parle pas à lui. Alors. Putain ! M'énerve pas. La vie est un étron, tout droit sorti du cul. Peugeot commence. J'ai peur. La vie est nulle. Nice, c'est le 06. C'est ça, 103, c'est le département du 06. Le gars dégénéré, tu sais. L'arme l'envers. Nice, nice, nice. Ok, c'est la baston. C'est la baston avec le gars. Allez, on va se reposer. Ouais, t'as vu ça, les nouvelles émotes, il y en a plein. Ok, donc ça veut dire qu'on l'a eu, lui. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Battu. Il y a ça. J'adore cette tombe. Vas-y, on va y aller. Il y a ça. La Grotte Volcanic. T'avais pas vu qu'il y avait autant d'émotes, Maori? Il me reste du café. Bébou. Salut Killark, bienvenue à toi. Ça hier. Pipou, pipou, pipou. Alors, Majoire, c'est l'espadon de la lune obscure. Stylé. C'est débile ce que j'ai fait. Je peux pas prendre de level là, non? Il me faut 52 000 pour prendre un level, mais c'est énorme. Elle scale sur la magie. Sur l'intel. Sur l'intelligence! Plus t'es intelligent, plus tu fais des dégâts. Mais oui. Comme ça. Ah, attendez, je crois que j'ai le truc avec pas vif là. C'est ça, non, qui fait pas vif. Vif. Enfin, troll, putain. Ah, Dune 2, il a l'air extraordinaire. Il faut que j'y aille. Vas-y, j'y vais ce soir.
Je m'autorise une fiole de santé, une fiole de magie. Ah ouais, le nouveau Godzilla, il a l'air trop cool. Faut que j'y aille. Un testicouille à max. Salut AKN. Merci. Merci pour cet avis. J'ai une flèche plantée dans le coude, c'est bon. Bonjour le Kev, t'as... Comment ça va le Kev? T'es pas suspect, du coup. Ça me dit que t'es pas follower, par contre. C'est bizarre, ça. Allez, là, tout le monde, prenez-en de la graine. Voici mon raccourci. Trouvé sur Internet. C'est parti. C'est parti. Ok. Et donc, ce qu'on va faire, c'est déjà peut-être... Salut Gandalfouni, salut Skiza. Bienvenue tout le monde. Ce qu'on va faire, du coup, c'est qu'on va s'équiper de ça. On vérifie qu'il n'y a pas vif dessus. Oui, il n'y a pas vif. On s'enlève ça. On la prend. On attend qu'il redescende un coup. Partagez ça à tous les autres qui prennent des risques énormes dans cette caverne. Alors que le chemin, c'est tout droit. C'est parti. C'est beau. C'est beau. Ah ouais, c'est beau. All life. Voilà. Tant que tous les autres se cassent le cul à prendre le Uber, moi, je suis le Concorde. Expelliarmus! Comme dirait Neville Londuba. J'aime bien les détours. Moi non. Salut Augure. Je la connaissais pas celle-là, merci. Avec plaisir. Fais gaffe à pas faire exactement comme le Concorde et à te crash. C'est vrai. Bonne remarque, Maori. Mince. Buvons. Buffons. Il y a un setup là de menuing de Jobar. Allez, ça part. Ça part en sucette. La sucette, c'est quoi? Panoché! Oui! C'est mon combat. Tellement heureux. Que ce soit un nocher. 2000 de dégâts. Je sais pas si vous avez fait gaffe. La clé du palais perdu, t'as. La clé du palais perdu. Rendez-vous compte. Soivez-vous. Rendez compte. Ouais, je pourrais peut-être mettre la fiole dans un raccourci, t'as pas tort. Hein. Salut Eterni. Hello Ribo, petite question. Je voudrais me faire un build autour d'une arme faux. Tu conseillerais laquelle entre la faux de la nuit ou la faux ailée ou la faux du charognard? Moi, je te conseille la faux ailée. Voilà, je te conseille la faux ailée. On va faire ça. Au cas où, on doit fuir. Et le Kev! Mais le Kev! C'est le follow du Kev. Abonne-toi. Merci. Le Kev. Ok. Nocher du plaisir, ouais. Vas-y, on va faire ça, là. Comment on y va, là, déjà?
Putain, je sais pas où je suis. Si, c'est par là, là. Tac, 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 tac. Il y a un marchand qu'on va découvrir, là. Découvrons ensemble le marchand. Le fist. On peut passer par là, je crois. Par contre, il y a un cimetière que je vais pas faire. Bon, je reviendrai. J'ai pas envie de perdre. Bon, là, l'échelle, par contre, je vais checker, voir s'il n'y a pas des problèmes. D'accord ? Des pierres 2. Je redescends direct si je vois qu'il y a des problèmes. Ouais, je peux level up, ouais, t'as raison. Attends, je cherche un feu. C'est bon, les frayeurs d'échelle, ouais. Ben, c'est où que je vais, moi? C'est là, il y a le marchand, là. On va aller voir le marchand. Ben, si seulement il n'y avait pas un volatile funéraire à la place de Morgoth, j'aurais pu utiliser la rune de Morgoth. En plus, j'aurais eu un boss à faire après, remarquez. Mais là, il y a des objets. Oh putain, legendary. Dear customer, ouais. Toi, t'as une bonne zone de chalandise, je trouve. Tu dois avoir pas mal de clients, mec. Abonne-toi. Ouais, les volatiles me font quand même bien peur. Hein. De l'antipoison. Par contre, là, il y a un... Ah là 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 là. Là, il y a un objet légendaire. C'est du grid, ça. Bon, on le sait qu'il y en a un. Mais je vais faire un. Je peux pas faire start, pourquoi? Salut à toi Bobby le pétochard. Trouillard, pétochard, frossard, perlichard. Abonne-toi. Je crois qu'ils font peur à beaucoup de monde, même. Non, mais à la place de Morgoth, vous imaginez la barre de vie de l'espace intergalactique futuriste? Insane. Insane attack. Merde, moi, il faut que je parte après. Putain, ça fait pour la VOD. Putain, ça fait une VOD digeste. 1h03. Là. Là, par contre... J'ai peut-être dû checker. Ça peut mal se passer. Bonsoir. Est-ce que je vais voir ce qu'il y a là-haut? C'est une erreur. Je peux retomber peut-être par là. Attendez, 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 attendez. Non, 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 non. Oui, 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 oui. Prends le level. Oh, il est tout seul. Ah, j'ai eu un loot. D'où ça sort? Déjà. Ça fait du bien d'avoir ça là. Ouh. La magie. La magie, ça fait toujours des dégâts. Hein. Alors que j'ai un build magie. Wow. Ouais, voilà, j'attendais qu'il soit stun pour me soigner, mais... Putain, v'là les dégâts ici. Allez hop. Dans le Bas-Rhin. Aussi un département. 104.
Non, 104 ou 105? 105? Comment ça se fait? 105? Attends, mais j'ai eu un objet en... En arrivant là-haut. J'ai eu un objet en arrivant ici. Non, j'étais à combien juste avant? 103 ou 104? Le nocher, c'était quoi? 104? J'ai peut-être pas mis. Je vais level up, ouais. Level up bien fort. Ah, il y a ça que j'ai pas fait. Je sais pas. Là, je vous avoue, je sais pas. Je vais aller débloquer le manoir. Attendez. Je vais aller surtout ici. Dévouir. Oh. Alors, level up. L'arme de vie. Graine dorée. Plus 10, hein, mes fioles. Hein. Je monte l'enduit encore un peu ou pas? C'est ça que je veux porter, moi. Moi, je veux porter ça. Il va falloir beaucoup, non, d'enduit. Il va falloir 40, à mon avis. Là, du coup, je peux pas le porter. Même si je mets ça. On a toujours en charge lourde avec 81 au lieu de 76. Il va falloir vraiment beaucoup d'endurance, là. Et là, qu'est-ce qu'on a d'autre? La charge lourde, merde. Moi, ouais, bouffe. Ils sont mieux ceux-là. D'accord. C'est à 50 ou 60 que la vie qu'on gagne plus grand-chose. C'est à 60. Il y a un cap à 60, ouais. Il y a un cap à 60 et admettons que je veuille activer la rune de Morgoth, il faudrait que j'ai des buffs de vie. Donc si je dois activer la rune de Morgoth, je mets ça avant d'y aller. Vous voyez, vigueur, ça ferait 3 points de vigueur supplémentaires. Qu'est-ce que j'ai d'autre que je pourrais utiliser? J'ai pas grand-chose de plus. Il y a un flow, ouais. Il y a un flow. J'avoue. Du coup, attendez, est-ce que j'ai de quoi... Non, ça donnera pas assez, ça, non? Nombreuses runes. C'est quoi? C'est une 6. Non, ça donnera pas assez, malheureusement, pour pouvoir level up. Hop. Ça, on va laisser de côté pour l'instant. On va aller se débloquer le manoir du volcan, ok? En passant par là, tac, 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 ok? Plus que 60 boss, ouais, c'est vrai. Putain. Ça commence à avancer vénère, là. Ouais, pour débloquer la rune, malheureusement, il y a le piaf de ses morts. Hein. Je suis dégoûté. Dégoûté. Vous inquiétez pas, on va se stuffer comme il faut pour le piaf. On va se trouver les pots de foie. Le manoir est là. Ça me fait toujours flipper d'aller au manoir. Des bisous Gandalfouné, bon appétit. Je crois que j'ai la clé du salon aussi. Et concrètement, j'ai tous les objets du jeu. J'ai le médaillon de Rolt, j'ai le médaillon de Dectus complet, médaillon secret de Rolt. Donc, je peux aller partout. Hein. Je crois que j'ai la clé du manoir du volcan, il me semble. Oui, en gros, ouais, c'est pas des handicaps, Brigitte Macron, mais c'est un cap, ouais.
Ah, j'ai la clé, ouais. Ok. Bon, j'ai accès à tout le jeu, là, du coup. Donc, c'est la run, concrètement. J'ai accès à tout le jeu. J'aime trop. Oui, Bernard, il sera pas là, du coup. 7. Hop, je vais ouvrir celle du bout aussi. Ah, Bernal, j'ai buté, donc c'est sûr qu'il est pas là. Ok, est-ce que je parle à Tanis ou ça, ça change rien? Elle donne des objets, non? Non, on va lui parler quand même. C'est la première fois qu'on peut s'approcher d'un chevalier du creuset aussi... aussi proche. T'as le swag, hein, Tanis. Je m'en vais. Je veux pas. Ouais, mais je ferai pas les tracks, je pense. Un habit. Ok, c'est cool. Bon, moi, il faut que j'y aille. Bisous YouTube, ciao ciao.